السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي على قناتكم لتعلم اللغة الفرنسية. درس اليوم هو مراجعة لأهم الجمل والعبارات التي نحتاجها في حياتنا اليومية. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. أول جملة، استمع جيدا وحاول عزيزي المشاهد أن تفهم بدون ترجمة. S'il te plaît, dis-lui de ne pas se déranger pour venir me voir. S'il te plaît, dis-lui de ne pas se déranger pour venir me voir. Voilà la phrase. S'il te plaît, dis-lui de ne pas se déranger pour venir me voir. En arabe, min fadlik. قل له ألا يزعج نفسه بالمجيء لرؤيتي. On a le verbe dire, dis-lui, conjugué à l'impératif, فعل يقول صرف في صيغة الأمر, et le verbe se déranger. Se déranger معناه يزعج نفسه. لدينا فعل déranger, أو le verbe déranger معناه يزعج, أما le verbe se déranger يعني يزعج نفسه كما رأينا في هذا المثال. S'il te plaît, dis-lui de ne pas se déranger pour venir me voir. Une autre phrase avec le verbe déranger. Je ne veux pas le déranger. Je ne veux pas le déranger. Je ne veux pas le déranger. On a le verbe vouloir, je ne veux pas, conjugué au présent de l'indicatif, et le verbe déranger, ma'naho kama qult yuzayjo. Je ne veux pas le déranger. Une autre phrase. Combien de temps es-tu resté ici? Combien de temps es-tu resté ici? Combien de temps es-tu resté ici? En arabe, كم من الوقت بقيت هنا? Combien de temps es-tu resté ici? الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة. أنا اعتقدت أنك أردت هذا. Oui, très bien. J'ai pensé que tu voulais ceci. J'ai pensé que tu voulais ceci. On a le verbe penser, يعتقد أو يفكر. Aussi, on a le verbe vouloir, conjugué à l'imparfait. J'ai pensé que tu voulais ceci. جملة أخرى. لقد كانت هناك طوال الصباح. نعم, elle était là toute la matinée. Elle était là toute la matinée. Elle était là toute la matinée. J'épluche une pomme. J'épluche une pomme. Voilà la phrase. J'épluche une pomme. En arabe, أنا أقشر تفاحة. Ici on a le verbe éplucher, يعني يقشر. Le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. J'épluche une pomme. الآن دورك عزيزي المشاهد. أنت تعرف عن من أتحدث. نعم, tu sais de qui je parle. Tu sais de qui je parle. Tu sais de qui je parle. الآن استمع جيدا. Ça me cause des maux de tête. Ça me cause
des mots de tête. Voilà la phrase. Ça me cause des maux de tête. يعني بالعربية هذا يسبب لي صداع الرأس. Ici on a le verbe causer, معناه يسبب. Ça me cause des maux de tête. الآن كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أنت لا يمكنك إثبات أي شيء. فعل يثبت كيف نعبر عنه؟ نعم أحسنت. Tu ne peux rien prouver. Tu ne peux rien prouver. On peut dire tout simplement tu ne peux rien prouver. Le verbe prouver معناه يثبت. Tu ne peux rien prouver. جملة أخرى. امنحني أو أعطني خمس دقائق وسأثبت لك ذلك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم. Donne-moi 5 minutes et je te le prouverai. Donne-moi 5 minutes et je te le prouverai. On a le verbe donner conjugué à l'impératif. لدينا فعل يعطي أو يمنح مصرف في صيغة الأمر. Et le verbe prouver conjugué au futur. وكذلك فعل يثبت أو يظهر كما قلت مصرف في المستقبل. Donne-moi 5 minutes et je te le prouverai. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. J'ai une dette envers lui. J'ai une dette envers lui. Voilà la phrase. J'ai une dette envers lui. ترجمة الحرفية لهذه الجملة نقول أنا لدي دين اتجاهه ولكن نقول فقط أنا مدين له بدين. Une dette يعني دين. Envers أو تجاه lui يعني هو. أتحدث عنه هو. J'ai une dette envers lui. الآن دورك عزيزي المشاهد. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هو يقدر الجميع. كيف نعبر عن فعل يقدر؟ كنا قد رأيناه سابقا. نعم أحسنت. Il apprécie tout le monde. Il apprécie tout le monde. Le verbe apprécier, un verbe de premier groupe, conjugué au présent de l'indicatif. Il apprécie tout le monde. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Nous n'avons besoin de personne d'autre. Voilà la phrase. Nous n'avons besoin de personne d'autre. يعني بالعربية نحن لسنا بحاجة إلى أي شخص آخر. Nous n'avons besoin de personne d'autre. الآن استمع جيدا لهذه الجملة عزيزي المشاهد. J'ai cru qu'il n'allait jamais se taire. J'ai cru qu'il n'allait jamais se taire. Voilà la phrase. J'ai cru qu'il n'allait jamais se taire. يعني بالعربية لقد اعتقدت أنه لن يصمت أبدا. J'ai cru qu'il n'allait jamais se taire. On a le verbe croire, يعتقد, conjugué au passé composé. Aussi on a le verbe aller, n'aller, conjugué à l'imparfait, صرف في الماضي الناقص. Et le verbe se taire, un verbe pronominal, فعل مركب معناه يصمت.
J'ai cru qu'il n'allait jamais se taire. والجملة الشهيرة التي يرددها الجميع تيتوا تيتوا اصمت تيتوا. Le verbe ici est conjugué à l'impératif. هنا الفعل صرف في صيغة الأمر. Une autre phrase. Ce n'est pas ce que je ressens. Ce n'est pas ce que je ressens. Ce n'est pas ce que je ressens. En arabe, هذا ليس ما أشعر به. Ici, on a le verbe être, né, conjugué au présent de l'indicatif. Aussi, on a le verbe ressentir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة معناه يشعر. Ce n'est pas ce que je ressens. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف نعبر عن هذه الجملة؟ هو يشعر بالكثير من المودة تجاه أخته. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. نعم أحسنت. Il ressent beaucoup d'affection envers sa sœur. Il ressent beaucoup d'affection envers sa sœur. Le verbe ici est conjugué au présent de l'indicatif. Il ressent affection, yani mahabba, hanan, atf, mawadda, envers, yani utujah. Il ressent beaucoup d'affection envers sa sœur. الآن استمع جيدا عزيزي المشاهد. Nous devons le punir sévèrement. Nous devons le punir sévèrement. Voilà la phrase. Nous devons le punir sévèrement. يعني بالعربية يجب علينا أن نعاقبه بشدة. On a le verbe devoir conjugué au présent de l'indicatif فعل يجب. Nous devons punir يعني يعاقب sévèrement يعني بشدة. Nous devons le punir sévèrement. Une autre phrase. De quoi as-tu besoin de plus? De quoi as-tu besoin de plus? De quoi as-tu besoin de plus? يعني ماذا تحتاج أكثر؟ De quoi as-tu besoin de plus? الآن إذا أردت أن أقول أنت مخطئ في هذه الحالة كيف نعبر عن هذه الجملة؟ نعم tu as tort dans ce cas. Tu as tort dans ce cas. للاختصار في الكلام نقول فقط tu as tort dans ce cas. الآن استمع جيدا لهذه الجملة. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. معنى هذه الجملة هو أنت لديك كل ما تحتاجه. Tu as tout ce qu'il faut. لا يمكنني أن أخون ثقته. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Je ne peux pas trahir sa confiance. Je ne peux pas trahir sa confiance. On a le verbe pouvoir, يمكن أو يستطيع, conjugué au présent. Aussi, on a le verbe trahir, معناه يخون. Je ne peux pas trahir sa confiance. جملة أخرى, كيف نعبر عنها؟ هذا يمكن أن يحدث للجميع. فكر قليلاً.
نعم, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. جملة أخرى. لا تنسى ارتداء الكمامة قبل الخروج. نعم, n'oublie pas de porter le masque avant de sortir. N'oublie pas de porter le masque avant de sortir. N'oublie pas de porter le masque avant de sortir. الآن إذا أردت أن أقول هذه المهنة تتطلب الكثير من الصبر. نعم أحسنت. Ce métier demande beaucoup de patience. Ce métier demande beaucoup de patience. Ce métier demande beaucoup de patience. جملة أخرى كيف نعبر عنها؟ يمكنك أن تأتي لرؤيتي سأبقى في المنزل طوال اليوم. جملة طويلة يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. نعم, tu peux venir me voir, je resterai à la maison toute la journée. Tu peux venir me voir, je resterai à la maison toute la journée. Répète avec moi à haute voix. Tu peux venir me voir, je resterai à la maison toute la journée. جملة أخرى. فكر فيما تقوله قبل أن تتحدث. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ Oui, très bien. Pense à ce que tu dis avant de parler. Pense à ce que tu dis avant de parler. Pense à ce que tu dis avant de parler. جملة أخرى. سأرى إذا كان بإمكاني مساعدتك. نعم, je vais voir si je peux t'aider. Je vais voir si je peux t'aider. Je vais voir si je peux t'aider. الآن إذا أردت أن أقول أنت تعرف ما أقصده أو أنت تعرف ما أعنيه. نعم, tu sais ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire. Tu sais ce que je veux dire. جملة أخرى. إنها لا تعرف ماذا تفعل. Oui, très bien. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. الآن إذا أردت أن أقول أود أن أزوره في نهاية هذا الأسبوع. كيف أعبر عن هذه الجملة؟ نعم, je voudrais lui rendre visite ce week-end. Je voudrais lui rendre visite ce week-end. هناك من سيقول je voudrais lui visiter ce week-end. هذه الإجابة تعتبر خاطئة بالرغم من أن le verbe visiter يعني يزوره إلا أن هذا الفعل يستعمل فقط للأمكنة. أما إذا أردت أن تقول
زيارة شخص ما تقول rendre visite. تذكروا هذا جيدا. Je voudrais lui rendre visite ce weekend. جملة أخرى. لم يأتي لرؤيتي عندما كنت مريضا. نعم أحسنت. Il n'est pas venu me voir quand j'étais malade. Il n'est pas venu me voir quand j'étais malade. Il n'est pas venu me voir quand j'étais malade. جملة أخرى هي تجد دائما حلا لمشاكلها. نعم، elle trouve toujours une solution à ses problèmes. Elle trouve toujours une solution à ses problèmes. Elle trouve toujours une solution à ses problèmes. جملة أخرى. أعلم أنني بالغت مؤخرا. نعم، je sais que j'ai exagéré dernièrement. Je sais que j'ai exagéré dernièrement. Ici on a le verbe savoir, يعلم. Aussi on a le verbe exagérer, معناه يبالغ, conjugué au passé composé. Je sais que j'ai exagéré dernièrement. فعل يرى باللغة الفرنسية نقول voir. Voir, un verbe de troisième groupe. فعل من المجموعة الثالثة. ولكن كما أقول دائما الفعل لا يكون له معنى واحد. هذا ما سنتعرف عليه في درس اليوم. La première phrase. J'ai vu un très beau paysage d'automne. J'ai vu un très beau paysage d'automne. هي تكتب automne ولكن في النطق نقول automne. J'ai vu un très beau paysage d'automne. En arabe, رأيت منظرا خريفيا جميلا جدا. J'ai vu un très beau paysage d'automne. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. هنا فعل يرى صرف في الماضي المركب. J'ai vu un très beau paysage d'automne. Une autre phrase. J'ai vu Ahmed et Fatima ce matin. J'ai vu Ahmed et Fatima ce matin. En arabe, رأيت أحمد وفاطمة هذا الصباح. J'ai vu Ahmed et Fatima ce matin. Une autre phrase avec le verbe voir. J'ai vu un très beau match de football. J'ai vu un très beau match de football. En arabe, لقد شاهدت مباراة كرة قدم رائعة. هنا الفعل voir ou le verbe voir جاء معناه يشاهد. J'ai vu un très beau match de football. الآن دورك عزيزي المشاهد كيف أعبر عن هذه الجملة. سأرى إذا كان بإمكاني تقديم هذه الخدمة لك. Oui, très bien. Je vais voir si je peux te rendre ce service. Je vais voir si je peux te rendre ce service. On peut dire aussi je verrai si je peux te rendre ce service. Je verrai si je peux te rendre ce service. يمكن أن أصرف الفعل أو le verbe voir au futur, يعني في المستقبل, أو أدخل كما فعلت هنا فعل allez, يذهب لأتكلم عن المستقبل. Je vais voir. Une autre phrase. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? En arabe, أترى ما أقصده أو أتعرف ما أقصده. Tu vois ce que je veux dire?
فعل يفهم باللغة الفرنسية أقول comprendre. Comprendre un verbe aussi de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة. Comprendre. Voilà la première phrase. Je n'ai pas compris ta question. Je n'ai pas compris ta question en arabe. لم أفهم سؤالك. Je n'ai pas compris ta question. Un autre exemple. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. En arabe, أنا لا أفهم كيف يمكن أن يحدث هذا. Je ne comprends pas comment cela a pu arriver. فعل يمسك باللغة الفرنسية tenir. Tenir. Aussi un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة. Tenir. Elle tient son enfant dans ses bras. Elle tient son enfant dans ses bras. En arabe, تحمل طفلها بين ذراعيها. Elle tient son enfant dans ses bras. Le verbe tenir signifie aussi conserver, يعني يحتفظ. Voilà un exemple. Il faut tenir l'eau au frais. Il faut tenir l'eau au frais. En arabe, عليك أن تحافظ على الماء باردا أو في البرودة. Il faut tenir l'eau au frais. Le verbe tenir signifie aussi être accroché ou fixé. Être accroché ou fixé, يعني معناه يثبت. Voilà un exemple. Le miroir tient au mur par un clou. Le miroir tient au mur par un clou. En arabe, المرآة مثبتة على الحائط بواسطة مسمار. Le miroir tient, يعني المرآة مثبتة, au mur, يعني على الحائط, par un clou, بواسطة مسمار. Le miroir tient au mur par un clou. Le verbe tenir signifie aussi être attaché à quelqu'un ou quelque chose. يعني أن يكون متعلقا بشخص ما أو بشيء ما. Voilà un exemple. Ahmed tient à ses amis. Ahmed tient à ses amis. En arabe, Ahmed متعلق بأصدقائه. Ahmed tient à ses amis. On a le verbe soutenir. Soutenir, un verbe pronominal, فعل مركب, soutenir bien ou mal. Voilà un exemple. Les enfants se sont bien tenus pendant toute la journée. Les enfants se sont bien tenus pendant toute la journée. En arabe, تصرف الأطفال أو الأطفال تصرفوا بشكل جيد طوال اليوم. هنا الفعل جاء معناه يتصرف. Les enfants se sont bien tenus pendant toute la journée. Une autre phrase. À ce rythme, je ne tiendrai pas longtemps. Je serai vite fatigué. À ce rythme, je ne tiendrai pas longtemps. Je serai vite fatigué. En arabe, à ce rythme, يعني على هذا المنوال, je ne tiendrai pas longtemps. لن أستمر طويلا. Je serai vite fatigué. سوف أتعب بسرعة. على هذا المنوال لن أستمر طويلا. سوف أتعب بسرعة. À ce rythme, je ne tiendrai pas longtemps. Je serai vite fatigué. هنا الفعل tenir أو le verbe tenir جاء معناه يستمر. À ce rythme, je ne tiendrai pas longtemps, je serai vite fatiguée. Et la dernière phrase. Pour qu'il tienne sa parole, je suis prête à l'aider. Pour qu'il tienne sa parole, je suis prête à l'aider. En arabe, لكي يفي بوعده فأنا على استعداد لمساعدته. Pour qu'il tienne sa parole, je suis prête à l'aider. الآن أصدقائي, le verbe contrarier. Contrarier, يعني يحبط, يغضب.
contrarié. الآن إذا أردت أن أقول أحبطت خططي بسببها لا أستطيع أن أسافر، كيف نعبر عن هذه الجملة؟ يمكنك توقيف الفيديو للتفكير في الإجابة. Oui, très bien. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas voyager. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas voyager. Ici, le verbe contrarié est conjugué au passé composé. هنا فعل يحبط صرف في الماضي المركب. Elle a contrarié mes plans. À cause d'elle, je ne peux pas voyager. قلنا أن الفعل أو الverb contrarié يعني يحبط يغضب، كذلك معناه يزعج. مثلا إذا أردت أن أقول هذا الخبر يزعجني بشكل كبير أو يزعجني كثيرا. نعم، cette nouvelle me contrarie énormément. Cette nouvelle me contrarie énormément. Le verbe contrarier est conjugué au présent de l'indicatif. Cette nouvelle me contrarie énormément. جملة أخرى حتى نتدرب جيدا على هذا الفعل. ستبقى في غرفتك حتى لا تزعج أخاك. Oui, très bien. Tu vas rester dans ta chambre pour ne pas contrarier ton frère. Tu vas rester dans ta chambre pour ne pas contrarier ton frère. Répète avec moi haute voix. Tu vas rester dans ta chambre pour ne pas contrarier ton frère. On peut dire tout simplement tu resteras. On conjugue le verbe rester au futur pour dire satabqa. Tu resteras dans ta chambre pour ne pas contrarier ton frère. Le verbe perturber. Perturber, لديه الكثير من المعاني، من بينها يعرقل، يعطل، يشوش، كذلك ينغص. الآن إذا أردت أن أقول لقد عرقل أو لقد عطل درس اللغة الفرنسية. Oui, très bien. Il a perturbé le cours de français. Il a perturbé le cours de français. Ici, le verbe est conjugué au passé composé. Il a perturbé le cours de français. Le verbe motiver. Motiver, معناه يحفز. Motiver. الآن إذا أردت أن أقول المدرب يحفز فريقه قبل المباراة. Oui, très bien. L'entraîneur motive son équipe avant le match. L'entraîneur motive son équipe avant le match. Le verbe permettre. Permettre, معناه يسمح. Permettre. الآن إذا أردت أن أقول لقد سمحت لي باستخدام هاتفها. Oui, très bien. Elle m'a permis d'utiliser son téléphone. Elle m'a permis d'utiliser son téléphone. Ici, le verbe permettre est conjugué au passé composé. Elle m'a permis d'utiliser son téléphone.
Le verbe abuser. Abuser معناه يستغل، كذلك يعني أن يسيء الشخص الاستعمال. Consommer quelque chose avec excès يعني أن تستهلك شيئا ما بإفراط يعني بكثرة. سنتعرف على كل هذه المعاني من خلال الأمثلة. الآن إذا أردت أن أقول أكثر من الشوكولاتة أو استهلك كثيرا الشوكولاتة والآن يعاني من آلام في البطن. نعم، il a abusé du chocolat. Maintenant, il a mal au ventre. Il a abusé du chocolat. Maintenant, il a mal au ventre. Il a abusé du chocolat. Maintenant, il a mal au ventre. الآن إذا أردت أن أقول لا تستغل لطفي أو طيبوبتي. نعم، n'abuse pas de ma gentillesse. N'abuse pas de ma gentillesse. Ici le verbe est conjugué à l'impératif. هنا الفعل صرف في صيغة الأمر. N'abuse pas de ma gentillesse. Le verbe pronominal se méfier. Se méfier. فعل مركب معناه يحذر. Se méfier. الآن إذا أردت أن أقول إنه يحذر منها إنها كاذبة. نعم، il se méfie d'elle, c'est une menteuse. Il se méfie d'elle, c'est une menteuse. Il se méfie d'elle, c'est une menteuse. Ici, le verbe se méfier est conjugué au présent de l'indicatif. Il se méfie d'elle, c'est une menteuse. الآن إذا أردت أن أقول احذر عندما تعبر الطريق. نعم، méfie-toi. Quand tu traverses la route. Méfie-toi quand tu traverses la route. Ici, le verbe se méfier est conjugué à l'impératif. Méfie-toi si tu traverses la route. Le verbe affirmer. Affirmer معناه يؤكد أو يثبت. Affirmer. الآن إذا أردت أن أقول أنا أستطيع أن أؤكد أنه كان غير مستقر يعني حالته غير مستقرة. Oui, très bien. Je peux affirmer qu'il était instable. Instable يعني غير مستقر. Je peux affirmer qu'il était instable. Je peux affirmer qu'il était instable. Le verbe accuser. Accuser, yani yettahimo. Accuser. الآن إذا أردت أن أقول يتهمني بكسر هاتفه. نعم، il m'accuse d'avoir cassé son téléphone. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone. Il m'accuse d'avoir cassé son téléphone. Le verbe empirer. معناه عندما يصبح الشيء أسوأ. Empirer. سنتعرف على هذا من خلال الأمثلة. يمكن أن تسوء الأمور بالنسبة لك.
نعم، les choses pourraient empirer pour toi. Les choses pourraient empirer pour toi. Les choses pourraient empirer pour toi. جملة أخرى. مرضه يزداد سوءا كل يوم أو يوما بعد يوم. نعم، sa maladie empire de jour en jour. Sa maladie empire de jour en jour. Sa maladie empire de jour en jour. Le verbe étaler. Étaler معناه يدهن ينشر. Étaler. الآن إذا أردت أن أقول أمي تنشر مفرش المائدة كما ترون في الصورة، أمي تنشر مفرش المائدة على الطاولة. نعم، maman étale la nappe sur la table. Maman étale la nappe sur la table. Maman étale la nappe sur la table. جملة أخرى. يدهن المربى على خبزه. نعم. Il étale de la confiture sur son pain. Il étale de la confiture sur son pain. Il étale de la confiture sur son pain. On peut dire que le verbe étaler signifie aussi répartir dans le temps. يعني أن يوزع على الوقت répartir dans le temps. Par exemple, il a étalé son salaire sur 3 mois. Il a étalé son salaire sur 3 mois. يعني وزع راتبه على 3 أشهر. Il a étalé son salaire sur 3 mois. Le verbe soulager. Soulager يعني يريح. Soulager. مثلا إذا أردت أن أقول هذا الدواء يريحني يهدئ الألم. Oui, très bien. Ce médicament me soulage, il calme la douleur. Ce médicament me soulage, il calme la douleur. Répète avec moi haute voix. Ce médicament me soulage, il calme la douleur. مثلا إذا أردت أن أقول لقد كنت متأثرا بكلماتك أو بكلامك لا أعرف ماذا أقول. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير عزيزي المشاهد. Oui, très bien. J'étais ému par tes paroles, je ne sais pas quoi dire. J'étais ému par tes paroles, je ne sais pas quoi dire. تذكرون كلمة ému معناها متأثر. J'étais ému par tes paroles, je ne sais pas quoi dire. جملة أخرى. عندما رأيته تعرفت عليه. Oui, très bien. Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. Le premier verbe, c'est le verbe voir, معناه yara, conjugué au passé composé, مصرف في الماضي المركب, et le verbe
reconnaître un verbe de troisième groupe فعل من المجموعة الثالثة معناه يتعرف مثلا يتعرف على شخص ما. Quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. جملة أخرى لقد كنا سعداء بمقابلة سارة لم نرها منذ شهرين. جملة طويلة ولكن سهلة جدا أصدقائي. Oui, très bien. Nous étions heureux de rencontrer Sarah. Nous ne l'avons pas vue depuis 2 mois. Nous étions heureux de rencontrer Sarah. Nous ne l'avons pas vue depuis 2 mois. Nous étions heureux, يعني كنا سعداء, de rencontrer Sarah, بمقابلة Sarah. Nous ne l'avons pas vue, لم نراها, depuis 2 mois, يعني منذ شهرين. Nous étions heureux de rencontrer Sarah. Nous ne l'avons pas vue depuis 2 mois. جملة أخرى هي لا تتعرق حتى عندما يكون الجو حارا جدا. تذكرون أصدقائي فعل يتعرق كنا قد رأيناه سابقا؟ Oui, très bien. Elle ne transpire même pas quand il fait très chaud. Elle ne transpire même pas quand il fait très chaud. On a le verbe transpirer, معناه يتعرق. Elle ne transpire même pas quand il fait très chaud. جملة أخرى هو قرر أن يسكن في منزل أكبر. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Il a décidé d'habiter une maison plus grande. Je répète, il a décidé d'habiter une maison plus grande. On peut dire aussi, il a décidé de vivre dans une maison plus grande, c'est la même chose. Vivre yani yaish. جملة أخرى. عندما يكون غاضبا لا يعرف ماذا يقول. Oui, très bien. Lorsqu'il est en colère, il ne sait plus quoi dire. Lorsqu'il est en colère, il ne sait plus quoi dire. Lorsqu'il est en colère, il ne sait plus quoi dire. On peut dire aussi, quand il est en colère, il ne sait pas quoi dire. C'est la même chose. Je répète, quand il est en colère, il ne sait pas quoi dire. جملة أخرى نحن نسرع لإنهاء عملنا. نعم أحسنت. Nous nous dépêchons de terminer notre travail. Nous nous dépêchons de terminer notre travail. Le premier verbe, c'est le verbe se dépêcher, معناه يسرعو, et le verbe terminer, معناه ينهي. Nous nous dépêchons de terminer notre travail. جملة أخرى, أنا أشعر أنك لا توافق أو أنك غير موافق. Oui, très bien. Je sens que tu n'es pas d'accord. Je sens que tu n'es pas d'accord. On a le verbe sentir, معناه يشعر, قد يعني كذلك يشم. Je sens que tu n'es pas d'accord.
جملة أخرى، أنت لا تفي أبدا بوعودك. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ خذ وقتك في التفكير. Oui, très bien. Tu ne tiens jamais tes promesses. Tu ne tiens jamais tes promesses. Tu ne tiens jamais tes promesses. جملة أخرى. أنا أقدر مساعدتك. Oui, très bien. J'apprécie ton aide. J'apprécie ton aide. On a le verbe apprécier qu'on a رأيناه سابقا معناه يقدر. J'apprécie ton aide. وصلنا إلى سؤال التميز وسؤال اليوم يقول أنا أرى أنك تبالغ بخصوص هذا الموضوع. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.